Eh bien, salut à tous, c'est Alain, et aujourd'hui, je vais vous parler de la pédale de distorsion ultra métal. Voilà, c'est la pédale de distorsion de chez Behringer. Donc franchement, Behringer, voilà, c'est, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On a quand même un terme qualité-prix. Voilà, on la trouve aux alentours de 20-25 euros. C'est vraiment, vraiment pas cher. Le seul défaut que je peux y reprocher, c'est qu'elle a un boîtier plastique, en fait. Et que, bon, le boîtier plastique, je suis pas super fan. Mais en tout cas, ça fait plusieurs années que je l'ai et franchement, elle fait vraiment très très bien le taf. Je l'ai dans mon pédalier, le PB1000. Je vous avais fait une vidéo, je vous l'affiche là ou là, je sais plus. Je l'ai mis dans mon pédalier et franchement, moi je trouve qu'en termes niveau prix, au niveau de la disto, on est juste excellent. Franchement, là je vais vous faire le test de celle-ci et elle sonne du feu de Dieu et j'adore ça. Le niveau son, elle dégage mais de la patate. Oh là là que ça envoie, oh là là. Ça envoie vraiment pas mal. Donc aujourd'hui je me suis équipé de ma petite Ibanez GIO, voilà, pour les petits connaisseurs, c'est les entrées de gamme de chez Ibanez. Et franchement elle aussi, elle envoie juste du steak sur Pluton mon gars. Donc c'est parti, je vais allumer, donc tu vas voir de suite, voilà, juste déjà, rien que là, la pédale est pas lancée. Je vais juste appuyer sur le petit truc, et alors on est parti. T'as pu voir une toute petite démo avec ma petite config que j'utilise. Alors j'utilise jamais vraiment cet ampli, en tout cas quand je joue moi avec cette pédale, j'utilise vraiment mon gros ampli 100 watts, 150 watts je crois. Et donc franchement, alors voilà le steak, et rien que sur ce petit PV là, on a juste un son énorme déjà. Donc franchement, rien à dire, c'est vraiment excellent. Je vais vous parler un petit peu plus en détail de la pédale. Donc on va retrouver un niveau de distorsion réglable, voilà, avec un petit equalizer, un equalizer 3 bandes avec le high, le middle et le low, donc tout ce qui se fait basique. On a un petit réglage du level aussi, et on a deux petits réglages style un peu ampérage, c'est un peu bizarre. Donc franchement, donc là on va tout se mettre à zéro, on va pas s'embêter et je vais vous faire la démo doucement doucement. Donc là tous les niveaux sont à zéro et donc je vais partir sur un petit... je vais commencer à monter légèrement. J'ai ma guitare qui est allumée, on n'entend rien du tout. Voilà, parce qu'il faut régler déjà le level. On a quasiment pas de son. On va commencer à monter un petit peu les médiums. On augmente légèrement le level de distorsion. Et on va monter aussi tout doucement des petits réglages. Et on commence déjà à avoir quand même un tout petit son assez sympathique. Donc je vais continuer à lever mes heights. Voilà. Donc je touche beaucoup à l'equalizer. Et là ça va être vraiment le niveau de distorsion qui va faire la différence sur cette pédale. Donc je continue à augmenter très légèrement. Donc franchement déjà on commence à avoir un son plutôt sympa. Je continue à augmenter, je vais descendre un petit peu le level parce qu'on sait jamais si vraiment le son commence à augmenter. J'augmente mon niveau de distorsion, juste le niveau de disto. Voilà. Là on commence vraiment à rentrer sur quelque chose d'un peu plus vénère. Donc là je vais venir creuser mes médiums un petit peu avec le gain height et là height. Donc
Donc là, on commence à entrer légèrement dans la lourdeur. Donc franchement, je trouve que la palette sonore, enfin, ce qu'on peut y faire en tout cas, au niveau des réglages, c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais pas me faire chier, je vais carrément foutre la disto à fond. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a un sacré son. Donc en fait, celui-ci, le petit réglage... Hop là, je vais couper l'ampli. Donc on a un petit réglage ici au niveau du low, juste en dessous, qui va venir régler les basses. Vraiment, ça va vraiment envoyer du lourd. Donc là, si on va mettre, on augmente un peu de basse. Et là, on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. On va venir, voilà, donc la disto elle est à fond, on va creuser les médiums, voilà les heights. On va venir mettre carrément les basses à fond, voilà, parce que là, et là on est sur du très 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 lourd. On va venir casser la fréquence, on va quasiment la mettre à fond. Ouais, c'est peut-être un peu le défaut de la pédale, mais franchement, alors là on est bon là. Pour la présentation de cette pédale, la UM300 de chez Behringer, pour voilà 25€. C'est assez ouf quand même ce qu'on peut avoir pour ce prix. Donc moi je vous la conseille énormément, voilà, parce que l'equalizer 3 bandes, là, un volume de disto, un level, un réglage de fréquence, tout ça, franchement c'est juste excellent. Donc franchement moi je vous la conseille si vous commencez dans le métal et que vous voulez vous approprier des petites pédales. Et ben franchement, elle va faire le taf de ouf, je suis vraiment étonné. Et sur le PV, elle sonne vachement bien aussi, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Et alors carrément, sur l'ampli 150 watts que je possède, c'est un Ibanez Tone Blaster 150, et franchement, il envoie juste ouf, ouf, c'est dingo ce que ça envoie. La gratte, elle gueule de dingue. Voilà, c'était pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à vous abonner à la chaîne, on se retrouve très très vite. À bientôt, ciao.